Frèmsem, bonjour. Nous comptons ça avec vous matin, hein, qui c'est lundi 10 juin, pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Avant de commencer, nous invitons pour baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous bénissons. Merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour l'autre journée qu'on accorde nous. Alors que nous allons étudier parole, nous demandons pour imprégner nous de cet esprit. Comme ça, nous allons comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait apprendre nous matin. Avec nous, dirigez-nous. Nous ne pouvons pas dire, mais c'est bien, c'est notre petit Jésus qui vit, qui est nous sacré siècle. Amen. Bienvenue une autre fois encore, Frère Maxime. Jeudi, c'est lundi 10 juin. Titre de son, c'est la crise à venir. Crise qui vient pour venir. Prophétie, Marc de la Bête, là, dans Apocalypse 13, parlez-nous de étapes qui sont plus féroces et qui sont plus graves dans la guerre Satan contre bon Dieu. Depuis que Jésus mourit sous la croix, l'ennemi était vaincu. Mais il est déterminé pour entrer dans la chute liant plus grand quantité de monde que possible. Eh bien, première stratégie li dans campagne ça, c'est tromperie. Lorsque tromperie pas fonctionné, li gen recours à la force. C'est lui-même qui a à l'origine de décret qui a permettre que monde qui refuse adorer bête là ou bien qui recevoir mak li mouri, recevoir la mort. Tout pisi bastonné jusqu'à ce que yo mouri. Eh bien, Frère Maxime, persécution religieuse li pa yon phénomène nouveau. Nous songe ki jan premier chrétien yo et yo te subi en pile et persécution, yo te tué yo, ça a été boulé sur la place publique. Nous te étudié ça dans leçon passé yo et à travers ki jan nou réformateur yo yo même yo te subi un peu de persécution. Donc c'est bon bagaille qui fait venir persécution religieuse Frère Maxime. Et eh bien depuis notre temps Caïn avec Abel, nous voyons que Jean Caïn te tué Abel alors que et yo tous les deux yo te sorti dans même ventre. Alors que et Caïn te tué Abel parce qu'il t'a obéi l'ordre de Dieu. Et bien Frère Maxime, journée jeudi a encore et gien persécution et persécution li gien pour li intensifier avec la marque de la bête. Je m'en nous pour lire Jean 16 verset 2, Matthieu 10 verset 22, de Timothée 3 verset 12. Et là nous lisons Jean 16 verset 2, son texte qui est très connu, qui ça dit, il dit, ils vous excluront des synagogues, et même leur vient ou quiconque vous sera mourir, pourra rendre un culte à Dieu. Deuxième texte, c'est de Timothée 3 verset 12. De Timothée 3 verset 12 qui ça lui dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pour Maxime yo gen l'autre texte ou capable lire la caillou 1 Pierre 4 verset 12, Matthieu 10 verset 22. Eh bien, à partir de texte ça qui expérience ou l'église Nouveau Testament t'es fait et qui j'en ça appliqué à l'église de Christ dans fin temps. Et bien tout au long de l'histoire du christianisme, nous voyons persécution, il était très fréquent. Et bien nous voyons que c'est la Rome païenne qui t'a persécuté l'église. Mais nous voyons que dans la période médiévale là, ça veut dire dans la période Moyen Âge là, ça t'est vite intensifié. La marque de la bête c'est pas dernier maillon dans chaîne infernale de persécution ça. Ça veut dire persécution t'est faite déjà. Donc Frère Maxime, son façon tout pour nous pas dit Marc de la Bête l'arrivé déjà parce que t'ai une persécution dans premier siècle là. Yo dit nous li gen pour venir, c'est les qu'on décret, OK? Un décret qui oblige tout monde capable et adorer le dimanche et tout dans décret ça pas capable acheter ni vendre. Dans le temps du Moyen Âge, c'est vrai que t'ai une persécution sou pas accepter dimanche ou pas accepter et marcher sous l'ordre la papauté, marcher sous l'ordre l'empereur Constantin, yo t'es persécuté mais ou t'es toujours ka acheter ou t'es toujours ka vendre. Donc nous voyons que les différents avec la marque de la bête côté que pas ka acheter ni vendre Frère Maxime. Je dis nous le diable l'est déjà préparé chrétien pour recevoir la bête là, faut nous faire attention. Ça dit et les épreuves finales ont fini. Frère Maxime, faut nous battre pour nous pas faire compromis dans la vie nous, parce que dans question de compromis,
Et bien après que Macbeth l'arrivé, nous accepter. Dame dit que faut nous manger, faut nous boire, nous accepter. Donc c'est ça qui fait nous le diable prépare déjà les chrétiens à recevoir la marque de la bête. C'est ça qui fait que l'ennemi l'a essayé séduit même les élus frère Maximio. Ça veut dire que c'est ça qui fait faut nous rester et conséquent. Hein? Matthieu 24 verset 24 car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Donc c'est ça qui fait nous faire attention frère Maximio. Yo dit nous la scène change soudain et la caméra prophétique se centre sur le peuple de Dieu. Frère Maximio, et alors que tout le monde a dans l'admiration envers la bête, mais dans Apocalypse 14, verset 12, il dit nous c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, à bon groupe de monde, malgré misère, malgré pas qu'à manger, pas qu'à acheter, pas qu'à vendre, qui a prêté fidèle. Mais il y a une bagaille pour nous toujours connaître, c'est que bon Dieu a déjà fait provision pour nous. Bon Dieu dit qu'il y a des gens qui a prêté vivant, les va ressusciter. Donc, pas penser que dans le milieu de difficultés, bon Dieu va prendre soin de nous. Pas penser que dans le milieu, pas qu'à acheter, pas qu'à vendre, eh bien, bon Dieu lui-même, il va camper pour nous. Petit, nous pas manger, nous pas manger, nous pas vivre. Oui, nous vivre. C'est parce que il y a des gens qui a prêté vivant pour acclamer le Sauveur. Il y a des chrétiens qui a prêté vivant pour acclamer le Sauveur. Donc, pas inquiétez-nous de ça, n'a pas manger. Pas inquiétez-nous de ça, n'a pas boire. Pas essayer sauver tête nous, mais l'Éternel déjà y a un plan pour nous, frère Maximio. Pour finir, je pose une question, on dit avec quelle rapidité laissez-vous le cas échéant des considérations économiques compromettre l'observation du sabbat? Qui genre des fois quitter des considérations économiques compromettre façon à observer sabbat? Là, je parlais de travail, de opportunité qu'on joint dans jour sabbat. Qui genre quitter le compromettre relation avec bon Dieu? Qui gens qui te compromettent et appel que bon Dieu a fait pour adorer là dans jour que le baoua. Et bien frère Maximio, question ça son question personnelle. Et bien l'été à vous même pour entrer dans vous même et pour répondre. Et bien c'est comme ça nous présenter le son, nous inviter pour fermer les yeux pour nous prier. Éternel Dieu, merci parce que vous faites provision pour nous pour la crise qui va venir. Seigneur Dieu, nous pas qu'à sauver tête nous. Mais Seigneur Dieu, si nous étions fidèles à vous même, nous recevoir le sceau. Et si nous gagnons le sceau de Dieu, eh bien, nous sommes capables de résister. Merci parce que vous avez pris soin de nous, Seigneur. Aidez-nous pour nous préparer, nous, pour ne pas quitter le problème là. Vie emporte nous, Seigneur, parce que quand tu as sauvé, il faut que nous sauver quand même. Nous ne pouvons pas dire, merci de prier au Seigneur, notre petit Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci. Et merci encore une fois. Nous sommes contents avec vous. C'était Fort Ismaël, chéri. Que bon Dieu bénisse.